to your favorite modern world. Tout le monde, je suis certain que vous êtes très nombreux à être passés à côté du dernier Porcupine Tree. Ah non, 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 pas Closure Continuation, mais The Approbation. Bah c'est bien dommage, d'autant que le groupe s'est enfin séparé de son chanteur bigleux aux cheveux mi-longs. Vous voyez de qui je veux parler? Bon, c'est pas grave. Hein? Quoi? Comment? Ah oui. D'accord. Désolé, en régie, on vient de me dire que The Approbation n'était pas un album de Porcupine Tree, mais du groupe Ocrust. Bon, j'ai l'air malin maintenant. La faute encore à ce petit Suisse qui m'a vendu ça pour de la musique de la bande à Wilson. Bref. The Approbation est un album 7 titres de 3 quarts d'heure qui ressemble à s'y méprendre à du Porcupine Tree. Enfin, non. Il y a quand même quelques différences. Le chanteur growl parfois, et le batteur n'est pas Gavin Harrison. Ocrust est un quintet de rock progressif norvégien qui signe chez Inside Out son premier album. Alors oui, je râle souvent contre les formations qui copient d'autres groupes. Parce que bon, c'est sympa d'explorer de temps en temps de nouveaux horizons quand même. Mais comme j'étais prévenu par Stéphane, et que personne ne m'a forcé à écouter l'album, ben ça ne m'a pas dérangé en fait. J'ai même trouvé ça plutôt sympa, cette ressemblance. Même les textes font référence à du Porcupine Tree, comme par exemple sur le titre Anodyne. Enfin, il me semble. Hein. D'ailleurs, puisque l'on parle des textes, ceux-ci ne sont pas vraiment à la fête puisque Simon, le chanteur, nous entraîne dans l'antichambre de la mort. The Approbation ressemble à du Porcupine Tree sans être du Porcupine Tree. Les guitares acoustiques et les riffs électriques s'en rapprochent beaucoup. La batterie et la basse, nettement moins. Et pour le chant, je n'imagine pas Steven Wilson se lancer dans du growl. Ceci dit, ça pourrait être pour lui un nouveau départ après avoir donné dans l'électropop commercial. Qui sait? L'album contient deux instrumentaux, Austere d'Allen et Cold Days, la seconde partie de Isolation, ainsi que deux titres fleuves qui terminent le disque, Anodyne et The Approbation. Si Ocrust se rapproche beaucoup de qui vous savez, vous trouverez également des inspirations venant de Opeth à certains endroits, quand The Isolation emprunte certains motifs à Dream Theater. C'est assurément le titre album, une pièce d'un quart d'heure, qui est la plus proche de Porcupine Tree. On y retrouve le chant vocodé, des motifs de guitare bien connus, et ces expérimentations que le groupe jouait en seconde partie de concert après avoir vendu leur dernier album. Vous l'aurez compris, The Approbation ne va pas changer la face du prog. Ceci dit, rien d'étonnant à cela, puisqu'il est sorti chez le label Inside Out. N'empêche, c'est un très chouette album. On peut juste espérer que le groupe s'émancipe de son modèle et nous propose quelque chose de plus original dans les années à venir. Voilà, c'était la chronique de la rentrée après des vacances bien méritées. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles découvertes. Bisous !